Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo calculée par ma tête. Sincèrement, oh mais je vais me déranger. Hein. Bon, alors dans cette vidéo, en fait, je vais tout simplement vous montrer comment moi je plaque mes cheveux, avec quoi, comment je fais, etc. Surtout que j'ai les cheveux plutôt courts. Donc voilà, une vidéo simple. En plus, on a plein des vidéos comme ça sur YouTube, mais je me suis dit, je vais faire la mienne. Parce que, écoutez, on a tous un peu des différentes manières de faire. Et donc, je me suis dit que bah, je vais vous montrer comment. Putain, je dirais vraiment, je suis un bonhomme sur la tête d'homme. Donc écoutez, voilà, hein, je vais pas plus tarder que ça et je vous laisse avec la suite de la vidéo. En fait, si pendant toute la vidéo je regarde là, à peu de regarder là, c'est simplement parce que là je filme avec ma caméra avant, alors que d'habitude je filme avec ma caméra arrière, donc j'ai pas le choix de regarder l'objectif en fait, simplement. Mais là, vu que je vais faire mes cheveux, etc., j'avais besoin d'un miroir, que du coup je me suis dit, je vais autant prendre mon téléphone, you know. Bref! Du coup, c'est parti pour la vidéo. I'm not high, all these lies need to stop. Cause I'm icy, wifey, haters wanna fight me. Never been the one get RP up on a whitey. Keep my... Donc hier, je me suis lavé les cheveux hier soir. Hier soir, j'ai mis de l'huile de coco et un tout petit peu d'huile de ricin sur ici là. Parce que comme vous voyez, j'ai une petite alopécie. Donc bon, voilà. Et bah, là, il y a encore un peu d'huile, du coup, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Alors déjà, ce que je vais comme... Ce que je vais commencer à faire, c'est qu'avec mes mains, je vais séparer tout simplement mes cheveux en deux parties. Donc le derrière et le devant. Et le devant, ce sera une plus grosse partie que le derrière. Donc je le fais avec mes doigts, hein, je vais pas prendre un peignacu ou quoi. Je vais me débrouiller avec mes doigts. J'essaie de faire une séparation à peu près que j'apprécie. Et genre, qu'est-ce que j'allais dire? Genre là, je sais pas si vous allez voir. Genre la séparation, j'essaie de la faire genre ici. Genre pour que... Enfin, parce que si je la fais trop devant, tu vois, ça va se voir quand je vais assembler les deux parties qu'il y a un problème. Donc j'essaie de la faire au maximum derrière l'oreille. Ok, une fois que j'ai trouvé la... Ok, là je pense que c'est bon. Donc après j'attache la dernière partie, enfin la partie derrière avec la stick. Je vais m'en occuper après. Mais t'aimes-tu par contre? Ok. Là, je meurs de chaud. Après, ensuite, je vais prendre un petit tip, donc rempli d'eau. Vous pouvez mettre de l'eau avec un peu d'huile. Je sais qu'il y en a qui le font, mais moi, flemme, parce que flemme, genre. Donc, je vais... Oui. Je vais en mettre... Mais attends, hé, c'est pas trop homogène comment ça sort là. Et je sais pas pourquoi mon tip il veut pas sortir homogène, genre ça sort que des trucs d'eau genre. Ah ok, c'est bon. Donc j'en mets... Franchement l'eau, je mouille hein. Clairement je vais pas... Voilà. Ensuite je prends du coup un peigne et je vais peigner mais très très vite parce que déjà hier j'ai démêlé donc... voilà. Donc c'est facile à peigner. À peu près. Ah oui, je veux dire quoi? Moi, j'ai séparé en deux parties parce que personnellement, j'ai les cheveux trop courts pour attacher en une seule partie, tu vois. Mais si vous avez les cheveux plus longs que moi, enfin que ça peut tenir en une partie, enfin en fait une seule partie, hein, moi, c'est vraiment pour que, comme mes cheveux sont trop courts sur les côtés, genre vous voyez. Genre là, les côtés sont beaucoup plus courts que par exemple ici. Donc bon, oh putain. Ah, allez, t'as une bite. Bon, après avoir fait ça, je vais passer directement. Oh. À l'étape du gel. Donc j'utilise le gel Eco Styler, le vert. Il me reste presque plus parce qu'à l'ancienne je suis plaquée à 24 mes cheveux. Donc voilà. Je l'ai acheté, enfin ma mère elle me les a achetés au marché. Les deux gros verres, j'en ai deux gros pots comme ça. Bon, l'autre il n'est pas encore ouvert. Et donc gel, brosse en poil de sanglier. J'ai acheté chez l'Indien à 1,50€ je pense. Voilà. Donc je vais prendre. Moi clairement sur le gel j'en mets la dose, genre j'en mets la dose, voilà. Enfin quand je dis j'en mets la dose, genre je sais que, enfin j'arrive pas à exprimer, genre déjà là je prends ça, je commence par ça. Et je mets dans mes mains, je fais comme c'était de la crème et je vais mettre comme ça sur mes cheveux. Voilà, en partant bien des extrémités, des bords, enfin bref voilà. J'aplatis avec mes doigts. Ça me stresse parce que du coup je reçois des notifications et j'ai envie de regarder. Enfin bref, passons.
Voilà, ensuite après avoir mis une première couche de gel, je vais peigner, venir plaquer avec la brosse. Ok, ensuite maintenant je vais revenir prendre du gel et je vais insister sur les bords comme ici, tu vois, parce que je sais que ça a tendance à moins plaquer bien que les autres endroits, donc j'insiste avec le gel. Ensuite je remets là les autres de l'autre côté. Voilà, et je fais ça sur presque tout le devant. Donc voilà, ensuite après avoir fait ça, je reprends ma brosse et je replaque. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça, le gel est bien appliqué, etc. Je vais prendre un fil. Alors moi, ce fil-là, il était dans un truc de bijoux de ma... Enfin, de bracelet de ma soeur. Du coup, j'ai pris. Et genre, depuis, j'ai lui. Donc, j'ai tueuse, quoi. Donc, je viens le mettre derrière, genre à la séparation. Je sais pas si vous allez voir. Bon, je sais pas si vous allez voir. En gros, genre, il y a la séparation entre derrière et devant. Et je mets le fil à la séparation. Je reviens comme ça devant avec... Et je serre. Donc voilà, quand c'est bien serré, alors vous pouvez serrer trop ou pas trop, enfin vous voyez comme vous voulez. Ensuite je viens du coup passer derrière et attacher. Attacher. Voilà, voilà. Et pour finir je fais un petit nœud, histoire que ça tienne quoi et que ça se barre pas au bout de... quelques temps. Voilà, donc là on en est là. Donc comme vous voyez c'est déjà plaqué, mais pas plaqué bien plaqué. Du coup je prends ma cire. Donc là c'est la cire, la red one, la rouge, si j'arrive à l'ouvrir. Donc voilà, elle est comme ça. Je vais prendre mon doigt, j'en mets. Donc là je vous explique ce que j'ai fait hors caméra, parce que j'ai fait des trucs hors caméra en fait, parce que j'étais au téléphone. Donc j'ai mis ma cire, celle-là, j'ai mis sur les bouts, les bords, tu vois. Et en fait, comme ça fait un petit effet blanc, après j'ai rajouté, j'ai mis dans la main du gel, j'ai fait ça et j'ai fiup sur mes cheveux. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais passer au derrière. Alors là, c'est pas encore parfaitement plaqué, mais c'est pas grave parce que moi, je plaque jamais à fond, genre que ce soit plaqué direct, parce qu'après, je vais attacher un foulard. Et en général, je dors avec, tu vois, pour plaquer mes cheveux. C'est-à-dire que quand je fais un truc, je fais la veille et moi, je dors avec. Et comme ça, le lendemain, plaquage on flic. Bon, là, je vais pas dormir avec, je vais laisser quelques heures et tout. Après, voilà. Donc là, pour passer au derrière. Ouf, chip, j'enlève l'élastique et je mouille. Comme là, vous voyez, c'est pas bien plaqué, mais une fois que j'aurai mis le foulard et que bah, ça sera resté, il y aura plus de problème. Donc voilà, c'est toujours comme ça que je fais. Ensuite, je prends mon gel, ça me touche ma tête. Je prends mon gel, une bonne dose, je frotte et je viens faire comme pour le devant, c'est-à-dire que j'applique sur mes cheveux et j'applique aussi à l'intérieur ici pour bien que ça plaque aussi avec quand je vais vouloir accrocher les deux parties. Ensuite, je viens brosser. Tu fais quoi? Pour plaquer. Ouh, excuse. Tu viens de commencer ta vidéo? Je viens pas de la commencer, mais. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon élastique. On voit ta tête en fait. Et je vais venir tout simplement attacher avec la partie du dessus. Ok, donc là, on est quelques heures après, bon, attendez. Ça me stresse avec les caméras. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre... D'abord, je mets du gloss, en fait, parce que voilà. D'ailleurs, ce gloss, il est archi bien. Je l'ai acheté sur AliExpress. Donc, si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pourquoi je mets du gloss? Simple.
Parce que j'en avais envie. Okay. Bref, passons. J'aime trop. Bon. On va enlever ce petit... Ouh. Il y a un petit truc blanc là. C'est pas grave, il vous suffira de mettre de l'eau, de la crème. Regardez comment c'est plaqué, s'il vous plaît. Bon, à part là, il a déconné, mais on s'en fout. Sinon, comme vous voyez, c'est bien. Cook. You know, genre... Oh. Bon, après là, moi, je vais mettre une épingle, personnellement, genre ici, pour pas que ça fasse ces bêtises là. Parce que comme j'ai vraiment les cheveux plus courts sur les côtés, ça me fait tout le temps ça. Mais bon, si vous avez les cheveux d'un peu près la même taille partout, ça devrait le faire. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre un post-it, moi, j'en mets un juste parce que j'ai envie d'en mettre et que... Que voilà, mais si vous voulez garder comme ça, enfin, moi je sais que si, enfin, pour sortir ou quoi, je vais garder comme ça, enfin, peut-être. Bref, du coup, moi c'est un post-it, j'ai acheté où à Châteauroux, je pense. Et les agrafes. En fait, de base, il y a un élastique où tu peux serrer, tu vois, mais il est cassé, du coup, c'est un peu galère de le mettre, mais bon. Je choisis un coup. C'est... En fait, je sais même pas pourquoi je montre comment je mets un post-it, je crois, c'est archi simple. Regardez comment il est gros. Ensuite, je prends un élastique et je vais l'attacher pour que ce soit beaucoup plus petit parce que les postiches gros comme ça, là, il n'y a pas à faire ça. Du coup, je le prends un peu dans tous les sens et j'attache avec un élastique. Bon, il est toujours un peu gros, forcément, mais c'est déjà mieux. Bah, je l'arrange quand je vois, je faufile. Attendez. Moi, il y avait une épingle dans le chignon, donc moi, je vais l'utiliser. Donc écoutez, voilà. Moi, j'ai besoin de me reculer, sinon vous ne voyez pas le chignon en entier. Yeah. Bon, bah, sinon, voilà pour le chignon, hein, j'ai rien à dire. Voilà pour le plaquage. Oh, j'ai une belle peau. J'aime trop. Genre, de base, je voulais maquiller, mais quand j'ai vu ma peau était archi pas, je me suis dit, Anaïs, non. Non, tu vas laisser comme ça, il n'y a rien. Sinon, je crois pour aujourd'hui, je vais pas mettre de postiche. J'ai trop la flemme de me balader avec un postiche chez moi. Donc, attendez, j'enlève en vidéo comme ça. Comme ça, je fais la fin sans postiche. J'ai trop la flemme. Bon, à part ça, cette vidéo est terminée. Donc, je suis du père. Bon, la vidéo est terminée. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo histoire de vous montrer comment moi, Anaïs, je plaque mes cheveux. Et bah, écoutez. Ajoutez-moi sur mes réseaux. Insta, Snap. Oh, ça me stresse ici. Insta, Snap, Twitter, TikTok. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, commenter, partager, liker, tout ce que vous voulez. Et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!